Bonjour et merci d'être à nouveau parmi nous pour cette sixième journée du grand live Moulinex. Aujourd'hui, bien sûr, de la cuisine. Et aujourd'hui, nous allons utiliser surtout le Cookeo. Non, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je vous réserve une surprise. Elle est au frais depuis le début de la semaine. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, accueillez Natou. Bonjour. Bonjour Natou. Attends, je me désinfecte les mains. Désinfecte-toi les mains, c'est bien. Voilà. Ça va? Je suis prête à cuisiner, ça va Fred? Ça va bien, et toi? Mais j'ai froid. Ben oui, je me doute. Je suis congelée. Mais oui, oui, oui. En tout cas, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui pour cuisiner. Alors, aujourd'hui, bien sûr, Natou est là, mais la ravissante et capillaire Alison aussi. Bonjour Fred, bonjour Natou. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Natou, merci d'être là, on est super heureux de t'accueillir. De m'apprendre à cuisiner. Oui, tu vas voir, ça va être top et facile, tu vas halluciner. Et aujourd'hui, on n'est pas que tous les trois, puisque nous sommes connectés comme chaque jour avec deux autres cuisines en France. Nous sommes aujourd'hui avec Aurélie et Justine. Coucou les filles. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va de votre côté? Vous venez d'où les filles? Alors on est parti. Alors je veux bien que tu répètes Aurélie s'il te plaît, on a eu un petit décalage de son. On habite en Loire-Atlantique à Missillac. Ok super, et c'est tout bon? Vous avez vos ingrédients? Vous êtes prête à cuisiner avec nous? Justine, t'es trop mignonne. Oui. Elle est trop chou. Et super. Et avec nous également, nous avons donc Anne-Sophie et Stéphanie. Coucou les filles. Bonjour. Ah, et on a même une troisième petite pucette. Comment tu t'appelles? Pauline. Salut Pauline. Vous venez d'où? De Plaisir, à côté de Versailles, dans les Yvelines. Ok, super. Et également, de votre côté, tout est prêt. Vous êtes prête à cuisiner avec nous? Oui, tout est prêt. Bon, bah génial. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale Cookeo. Et d'ailleurs, Natou, il y a quand même un Cookeo bleu devant toi. Il est quand même... c'est le tien. C'est le mien, il y a mon nom dessus. Et je suis même en fond d'écran. Oh là là, t'as de la chance hein, quand même. Regardez, je suis là. Ouais, et là, Natou. Effet. Non, mais c'est fou, la folie. Oui, en effet, on t'a fait ce petit cadeau pour te remercier d'être avec nous aujourd'hui. Et encore mieux, du coup, nous allons faire une recette à l'intérieur. Donc voilà. D'ailleurs, quelle recette allons-nous cuisiner aujourd'hui, Fred? Ben, en fait, je ne sais pas, il paraît que c'est Natou qui a choisi aujourd'hui. Alors voilà, je vois quelques ingrédients, je devine des choses, mais... Bon. Tout, Natou. Bah, c'est simple, j'adore la tartiflette, mais je ne suis pas trop fan de viande. Ouais. Donc, je voulais te lancer un défi, me préparer une délicieuse tartiflette sans viande. Donc, j'apporte les ingrédients que j'ai préparés moi-même, prédécoupés dans le frigo. C'est bien. C'est bien. Oui, depuis lundi. Depuis lundi, tu as eu le temps, ouais, c'est bien. Ouais, bah, ça me faisait beaucoup pleurer, je devais prendre des pauses, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, on a les pommes de terre, bien sûr, le reblochon, les oignons, le vin blanc, le sel, poivre, de la crème liquide, du beurre. Ouais. Et donc là, voici mon alternative à la viande, les champignons. Ah, ben oui, c'est très bien ça. Parce qu'effectivement, avec les champignons, je pense que ça peut tout à fait le faire. Alors, vous avez vraisemblablement les ingrédients qui se sont inscrits sur votre écran pour vérifier que vous aviez tout ce qu'il faut. Vous pouvez les faire avec lardon chez vous ou nous, ici, on va donc pour un tout les faire avec les champignons. Pas de problème. C'est pour ça qu'on a un petit peu de beurre, d'ailleurs. Oui. OK. Alors, tu sais, avec le Cookeo, tout est très simple. Hein. Alors, je te montre, hein, puisque tu m'as dit que tu voulais apprendre à cuisiner. Le Cookeo, vraiment, c'est un appareil qui va... te faire prendre confiance en toi et tu vas cuisiner beaucoup plus facilement par la suite, d'accord? Okay. Alors tu vois ici, j'ai ma bibliothèque de recettes sur l'écran, donc j'appuie sur bibliothèque de recettes et je peux ici, en appuyant sur la recherche, je tape ici tartiflette, hop, voilà. Toi, je t'ai entendu appeler cela une tartifloute. Oui, bon, je... Pourquoi tu ne le dis pas en live? Je peux l'appeler tartifloute, si mais tu oui, veux. Mais oui, c'est beaucoup plus marrant. Mais ouais, alors tartiflette... Ou tartiflette, enfin, cherchez tartiflette hein, sur votre Cookeo. Tartiflette, ça ne marchera pas. Hein. Tartiflette, voilà, OK. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai des tas de recettes de tartiflette. Et celle que nous allons réaliser aujourd'hui, pour te prouver à quel point le Cookeo est rapide, c'est la tartiflette express. Parce qu'on a très faim. Parce qu'on a très faim. Alors, les ingrédients, c'est pareil. Tu vois, à la base, elle est pour 6 personnes. Ben, mais 6 alors. Ben oui, je sais, parce que tu es une grande gourmande. J'ai très, très faim. Là, je vois qu'il y a plus d'ingrédients pour 4. Tu vois, donc ça sera pour 4. Mais rassure-toi, tu pourras manger
pour les quatre personnes, si tu veux. Je te le laisse. Voilà. Alors, les ingrédients, comme tu l'as dit, bah, tu nous les as préparés, ça c'est top. Mais je vois qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu de travail sur le reblochon et sur les champignons. OK ? Alors, on va pousser ça sur le côté. Voilà. Ça aussi. Merci. Alors, de l'autre côté de l'écran, comment ça se passe ? Are you ready ? Est-ce que vous êtes prêtes, les filles ? On est prêtes ! Ok. Oui, parce que j'ai aussi tout prédécoupé chez elle. Hein. Ah oui. J'ai dû faire des allers-retours. Elle est allée chez vous pour tout prédécouper. Elle est sympa, hein, quand même. Hein. Alors, comment couper un champignon ? C'est pas bien compliqué, mais quand même. Tu vois, le champignon, ça roule, comme ça. Mm-hmm. C'est pas très, très pratique. Moi, ce que je fais, je le coupe en deux. Hop. Comme ça, c'est beaucoup plus stable. Et ensuite, je peux faire mes lamelles de champignons. Tu vois, on va les faire pas trop fines, je dirais 2-3 mm, quoi, quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux bien me donner un coup de main là-dessus pour ça ? Merci. Alors, je t'attendais parce que je ne savais pas le faire, justement. Ben oui, c'est super. Tiens, je te donne un grand couteau, ça te va ? Okay. Fred, on a une première question du coup de nos consommateurs. Oh là là, mon Dieu, oui. Et oui, parce que du coup, moi, n'hésitez pas, je suis là, je regarde vos commentaires. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre, soit à l'écrit, soit directement ici en live. Si vous avez des questions pour Natou, on vous les remontera et on les posera directement à Natou pour vous. Et d'ailleurs, Fred, on nous demande s'il y a un autre légume par lequel on pourrait remplacer les champignons pour cette tartiflette. Un autre légume, oui. Alors en fait, si on décide de se passer de lardon et de mettre un autre légume, on peut se faire plaisir, on peut essayer des choses. Parce qu'il y a des choses qui vont, il y a des légumes qui vont aller très très bien avec, avec le fromage et les pommes de terre, il n'y a aucun problème. Je vous donne une petite astuce. Moi, je remplacerais bien ça par des aubergines. Alors je sais, ça peut sembler étrange, mais écoutez-moi bien, réalisez ça à la maison, vous allez voir, vous serez surpris. Vous prenez des aubergines, pas la peine de les éplucher, vous les coupez en petits cubes, vous mettez ça dans un plat à gratin, un petit coup de matière grasse dessus, un petit peu d'huile par exemple, du sel, du poivre, vous mettez ça au four à 180, vos aubergines elles vont confire et faites-les goûter à quelqu'un, ne leur dites pas que c'est des aubergines, demandez-leur ce qu'ils sont en train de manger et ils vous répondront, oh facile, des champignons. Oui, l'aubergine, quand elle est cuite comme ça, elle a un goût de champignons. Et après, comme je vous le disais, bah, laissez libre cours à votre imagination. Enfin, il y a des tas de légumes qui peuvent aller avec. Par exemple, la pomme de terre. Oui, tu veux dire pomme de terre et pomme de terre. Pour avoir une double dose de patates. Quelle bonne idée, bonne idée, Natou. Bon, alors, on continue avec les champignons. Et du coup, pendant que je les laisse couper les champignons, moi, je reviens sur le jeu d'hier. En effet, hier, avec Noémie et Onia, nous vous avions posé une question, car hier, il était à gagner un compagnon touch. Du coup, la question était donc de quelle région vient Noémie, pas de sa région d'origine, là où elle est née, mais la région dans laquelle elle habite en ce moment. Donc la bonne réponse était donc l'Aveyron, elle en est très fière, elle l'a quand même dit plusieurs fois. Et donc nous avons une gagnante à nouveau, bravo à Laetitia Catherine pour sa bonne réponse. Nous avons tiré au sort parmi tous vos commentaires. Et Laetitia, nous vous invitons à nous contacter en message privé sur le Facebook de Moulinex afin que nous puissions récupérer vos coordonnées et vous contacter et surtout vous envoyer très prochainement votre compagnon touch. Bravo à vous. Aujourd'hui encore, on a décidé de vous gâter, et oui, comme chaque jour de ce grand live. Et aujourd'hui, nous vous offrons la possibilité de remporter un Cookéo Touch Wi-Fi. Voilà. Donc, pour jouer, c'est très simple. Je vous poserai la question tout à l'heure. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous restez avec nous. Petit piège, je la poserai plus tard. Comme ça, je vous laisse continuer. Restez avec nous. Très bien. Alors, nous, on a coupé nos champignons. À la perfection. À la perfection. Il est maintenant... Alors, tu vois, tout est dans le pas à pas de la recette. Hein. Donc là, mon Cookéo est en train de préchauffer, tout simplement. Mais on peut déjà y ajouter... Mais d'ailleurs, tu vas le faire. Le beurre. Bien. Mais on échange de place, alors. Si tu veux, bien sûr, sans problème. Alors, le beurre, vas-y. Tu as une cuillère ici, tu peux t'en aider, pas de problème. Alors, c'est important d'avoir une cuillère si tu veux remuer des choses dans le Cookéo. Oh. Et oui, c'est important d'avoir une cuillère en bois. Je t'explique pourquoi, c'est parce qu'il y a un revêtement qui est anti-adhésif, hein, donc c'est pour ne pas l'abîmer. Et on y va avec les oignons, Natou, vas-y. Donc, c'est là où on va pleurer un petit peu. Un petit peu, mais un petit peu seulement, hein. T'inquiète. Je mets tout, hein. Ouais, tu t'as pleuré tout à l'heure, Natou, voilà. Tu les as coupés, t'as coupé. Oui, c'est moi qui les ai coupés, c'est vrai, j'ai l'habitude. Et maintenant, hop, les champignons, vas-y. Hop là. Très bien. Ça chante. Ça, on n'en a plus besoin, donc ça, c'est ma grande habitude. Hein, les choses vides, c'est pas la peine que ça encombre. Hop, on s'en débarrasse et on met ça
dans l'évier. Voilà, tu vas bien remuer hein, pour essayer d'imprégner au maximum tous tes ingrédients de beurre, qui est maintenant tout fondu, je crois. Hein. Oui, ça va vite quand ça même. Ça va très très vite. Voilà, remue-moi ça bien. C'est joli. Voilà. Un plan sur les champignons, s'il vous plaît, tout de suite. Immédiatement, regardez-moi ça. C'est incroyable. Ah non, c'est top. Parfait. Alors voilà, maintenant, on va laisser un petit peu cuire, d'accord ? Et puis on remuera de temps à autre. OK. Et pendant ce temps, pour ne pas perdre de temps, on va s'occuper du reblochon. OK ? Le reblochon, il va falloir qu'on le coupe en lamelles, tout simplement. OK. OK ? Alors, je te montre. Alors, tu peux, si tu veux, garder comme ça ton demi-reblochon, puis les couper comme ça. Hein. Mais là, on va faire ça à deux, hein, n'est-ce pas ? Donc, je vais, hop, le couper comme ceci. Couper moite-moite. Exactement. On va prendre, ouais. Hop. Je te laisse de nouveau le grand couteau. J'ai vu que tu aimais bien te servir du grand couteau. Attends, je vais couper de la main gauche et tourner le Mais non, t'es pas obligé de tourner tout le temps. D'accord, OK. Des stress. Non, mais j'ai la pression. Bon. J'ai vraiment la pression. T'inquiète, tout va bien. Alors. Allez, on y va. Et regarde, moi, tu vois, je fais des lamelles à peu près de D'accord. cette taille-là. Alors, de votre côté à la maison, où en êtes-vous, les amis ? Ah oui, un retour sur les filles. Où en êtes-vous ? Ah, ben, je vois que ça fume, là, dans le cookie d'Aurélie. Oh. Et il y a Justine qui est en train de remuer ça magistralement. Donc, on est d'accord que vous avez bien mis les... Vous utilisez des lardons de votre côté ? Oui. Oui ? Alors, donc, vous avez mis... Des lardons fumés. Très bien, très bonne idée. C'est encore meilleur. Donc, les lardons fumés avec les oignons, et vous êtes en train de faire rissoler tout ça, d'accord ? C'est parfait. Et du côté de chez Anne-Sophie et Stéphanie, on en est où ? On en est pareil. On est pareil. On Mais est vous tous êtes parfait. C'est vrai que vraiment, c'est Pauline et Justine qui mettent la main à la pâte. Oui, c'est vrai en fait. Vous c'est avez Julien transformé. Qui a cuisiné les enfants. Vous avez transformé vos enfants en esclaves. Moi, c'est une bonne idée. On peut également. C'est on peut. Simple. On peut. Alors, dites-moi vous les amis. Vous remarquerez que je vais beaucoup plus vite que Fred. Hein. Oui, oh, ça va. Un ton en dessous, s'il te plaît. Hein. C'est parce que c'est bon, un atout. Tiens, ben, puisque tu vas beaucoup plus vite, t'as qu'à découper celui-là. Parce qu'en attendant, oui, eh ben voilà, ta punition. En attendant, je voudrais bien vous faire découvrir une chose. Vous savez, moi, je trouve que quand on cuisine et qu'on a plus de connaissances sur les ingrédients, on cuisine mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Le reblochon, Natou. Oui. Alors, est-ce que tu sais d'où ça vient déjà ? C'est Joël qui l'a inventé. Oui, c'est ça, Joël reblochon. Bravo, tu es très drôle. Tu ne manques pas d'humour. Mais c'était pas une blague. Oui, bien sûr. Coupe Jojo, s'il te plaît. Alors, le reblochon, ça nous vient bien sûr de Haute-Savoie. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle le reblochon ? Vous allez voir, c'est une histoire assez drôle. En fait, déjà au Moyen-Âge, quand les fermiers allaient traire leurs vaches, ils étaient imposés, taxés en fait, sur les litres de lait qu'ils récupéraient lors de la traite. Et il y avait des contrôleurs qui étaient là et qui regardaient combien de litres de lait ils obtenaient de leurs vaches et on leur demandait de payer une taxe là-dessus. Mais ils étaient malins. Ils étaient tellement malins que du coup, ils savaient qu'il y avait encore du lait dans la vache. Hein. Okay. Mais ils disaient rien, ils faisaient croire au contrôleur que c'était fini et que la prochaine traite aurait donc lieu le lendemain. Et quand le contrôleur partait, ou alors la nuit, il revenait dans les étables en douce et ils allaient traire le reste de lait que la vache pouvait leur donner. Et ça s'appelait reblocher, c'est-à-dire traire à nouveau. Reblocher, traire à nouveau, reblochon. Tu as compris okay. Je t'explique. Très bien, j'ai compris. C'est pas j'ai mal, compris, non c'est monté. Et ben voilà. Rien à voir avec Joël, du coup. Non, rien à voir. Bon. Mais n'empêche que ça le fait. Alors ici, on est bien d'accord. De notre côté, d'ailleurs, tiens, exige un plan de la caméra de haut, tu le fais très c'est bien. Bon. Voilà, tu vois. Un plan serré sur les champignons, s'il vous plaît, tout de suite. Voilà, voilà. Tu vois, ça marche très bien avec toi. Alors, et regardez déjà la vitesse à laquelle le champignon donc réduit, d'accord, hein, et où tout ça est en train de rissoler. Oh là pas là. Mal, hein ouais. On est bien, hein. On me demande si on utilise forcément des champignons de Paris ou est-ce qu'on peut utiliser une autre sorte de champignons, par exemple. Alors, vous pouvez utiliser les champignons que vous voulez. Une fois de plus, il y a eu cette question, je crois, ou quelque chose qui était un peu similaire dans l'un des lives de cette semaine. Il y a des champignons où, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. Par exemple, moi, tu vois, Natou, le cep, okay. Je trouve ça tellement bon que je préfère le manger juste comme ça, quoi. Voilà.
Mais après, rien ne vous empêche, si vous voulez mettre des girolles, des trompettes de la mort, des... Voilà, oui, bien sûr, vous pouvez vous laisser aller, voilà. La tartiflette au cèpe, c'est une tartiflette très, très chic, hein, très luxe, hein, quand même. Je sais pas donner. À la truffe, peut-être c'est... Ah, oui, ouais. À la truffe aussi. Oui, ah non, mais ça, une tartiflette à la truffe, moi, je dis oui tout de suite, hein, ah, ouais. Problème. Alors, vous voyez, il y a des gens qui sont toujours contre le fait de twister, qui disent « Ah, mon Dieu, mais ça n'a pas la tartiflette !» Est-ce qu'il y a des puristes qui se plaignent? Écoute, par l'instant, non, j'ai pas trop l'impression. Écoute, voilà. Ça va, je m'attendais à pire. Mais tu vois, un puriste, tu lui grattes quelques morceaux de truffe au-dessus de la tartiflette, mais je sais plus s'il est si puriste que ça, tu vois. Voilà. Eh oui. Alors, hop, le reblochon, je le place là-dessus. En tout cas, Natou, on valide apparemment l'idée de la tartiflette sans viande. Ça, ça plaît beaucoup. Sympa. C'est une super bonne idée d'alternative. Bah, c'est pour changer un petit peu. Bah ouais, franchement, c'est top. Et on adore la bonne idée du champignon. Voilà, vraiment. Non, mais j'ai que des commentaires dans ce sens-là. Ouais. Super. Et alors, de votre côté, à la maison, c'en est où, là? Ça rissole bien, tout ça? Et votre reblochon, il est coupé? Ah. Oui. Tout est prêt. Faites pas trop les fierros derrière votre écran. Tout est prêt, nous, on vous attend et tout, OK? Un temps en dessous, s'il vous plaît. Hein. Ça va mal se passer, cette histoire. Ça sent le fromage, hein. Oui. On peut se dire. Enfin, heureusement qu'il y a le masque. C'est clair. Parfait. Fred, on pouvait s'attendre à la fameuse question de par quoi pouvons-nous remplacer le reblochon? Ah, bah oui. Qu'évidemment, si après tout, on twiste notre tartiflette et qu'on remplace, grâce à Natou, les lardons par des champignons, bah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un autre fromage? Alors je dis oui, bien sûr, mais utilisez tout de même un fromage à pâte molle, d'accord? D'ailleurs, en parlant de fromage, je crois que En parlant de molle, je pensais à toi. Oui, en parlant de molle, je pensais à toi, Natou. Et je me disais, mais comment se fait-ce que... Non, tu vas voir, je t'ai réservé une petite surprise. Ah oui ouais. Alors, on y va, on va mettre les pommes de terre. Ok. Bon, on est assez rissolé là, quand même, je pense. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais, on est bien. Ça sent déjà super bon. Les oignons sont jolis. Ouais. J'ai à nouveau faim, voilà. J'ai fait que manger toute la semaine, mais bon. Vous êtes prêts, Fred et Natou? Alors, de votre... Oui, oui. Et de l'autre côté de l'écran, eh ben, comme je vais le dire, vous êtes prêts aussi terre. Oui. C'est bon pour vous, le rissolage est terminé de votre côté, les amis? Tant bien du côté de plaisir que du côté de Missilac. OK. Alors, donc, vous avez vu hein, dans le pas à pas, il nous reste à ajouter tous les ingrédients, sauf bien sûr le reblochon, qu'on ajoutera au dernier moment, c'est-à-dire tous les ingrédients, ça veut dire les pommes de terre. On y va. Allez, c'est parti. Allez, nous aussi. Voilà, tu me mélanges ça. Merci. Oui, chef. Ensuite, on ajoute le vin blanc. Parfait. Non. That's good, hein? Oui. Et la crème fraîche. La crème liquide, hein, je vous le rappelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire, Natou, maintenant, d'après toi? Je dois retourner au frigo. Tu peux retourner dans ton frigo, oui, si tu veux. Mais avant que tu ne retournes dans ton frigo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le fromage. Ah non, le sel et le poivre. Eh oui, bien sûr, le sel et le poivre. Tiens, je te laisse l'ajouter. Oh, c'est très mignon, tu peux tout c'est ajouter. Très chou. T'as vu? C'est adorable. Il y a le plan sel. Hop. Voilà. Et maintenant, tu peux faire le plan poivre. Combien de tours? Oh, attends. Est-ce que tu aimes bien? Ça dépend selon ton goût. Est-ce que toi, tu aimes bien le poivre? Alors, moi, généralement, le poivre, ce que je fais, Natou, je te donne un petit truc. Ouais. Le poivre, quand on le cuit à un moment... Le poivre, si vous voulez, c'est comme s'il y avait deux goûts dans le poivre. Il y a le côté très parfumé du poivre, même un peu citronné qu'il y a dans le poivre. Il y a une fraîcheur dans le poivre. Et puis, il y a le côté piquant du poivre. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais... En fait, quand on le cuit, le côté frais et citronné du poivre disparaît. D'accord. Et t'as plus que le côté piquant, finalement, qui n'est pas inintéressant, mais qui n'est pas le plus intéressant. D'accord ? Donc moi, je mets toujours un petit peu de poivre quand même pour la cuisson, mais j'en rajoute surtout après la cuisson. Comme ça, on conserve. Moment. Voilà, c'est ça. Je vais t'écouter. Et là, vraiment, avec le moulin, c'est vraiment bien. OK ? Alors, on enlève ça aussi parce qu'on n'a plus besoin. On verra ça plus tard. Et maintenant, eh ben, on va tout simplement lancer la cuisson. Alors, voilà, ça, c'est plus nécessaire. Tiens, tu peux mettre ça là-dessus.
C'est pas grave, hein, on peut tout à fait mettre ça, voilà, à côté du fromage, c'est parfait. Et maintenant, je ferme et je vais lancer la cuisson. Hop. Ah. Voilà. Tac. Et on lance la cuisson pour 5 minutes. Ça va vite quand même. Oui, hein. Ça va vite. Et ça cuit sous pression. Ok. Ok, c'est pour ça que c'est si rapide. Alors maintenant, je t'avais parlé d'un petit test tout à l'heure que je voulais te faire faire, n'est-ce pas ? Eh bien, ce test, le voici. Hop, attention. Attends, je vais juste... Tiens, mets-toi donc par là. On va ranger notre reblochon ici. Qu'est-ce que c'est ? On le prendra tout à l'heure. Et là, elle se dit, mais voilà. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce qu'on a des questions ? Écoute, est-ce que j'ai des questions ? Eh bien, je crois qu'il y a la famille de Aurélie et Justine qui est là, puisque du coup, il y a Michel qui vous fait des bisous. Voilà. Et puis, bah non, il y a des questions pour toi, Natou, mais je te la poserai un d'accord. peu plus tard. Voilà. Très bien. Si t'es aux alors, questions. Natou, test à l'aveugle. Toi qui... Ah, donc tu dois fermer les yeux. Oui, toi très qui bien. Aimes les fromages. Oui. J'ai sélectionné pour toi trois fromages très connus. Je vais te les faire goûter. Enfin, tu vas voir, ils sont sur... je vais te passer une petite fourchette et il y a un morceau de fromage qui est déjà de la bonne taille au bout de la fourchette. Ok. Tu dégustes ça et on va voir si tu es capable de reconnaître les fromages que je te propose d'accord. de goûter. Est-ce que... Are you ready? Je suis prête, mais je suis pas très forte, hein, en vrai. Ouais, je te donne des indices. Ok. Si à un moment ça va pas. Ok, allez, tu fermes les yeux. D'accord. Hop, moi j'ai tout préparé là, évidemment. Oula, ça fouette dans le placard. Ça en fouette, effet. Moi je te le dis. Alors vous, évidemment, chers amis, hop, vous pouvez voir les fromages que j'ai sélectionnés. D'ailleurs, rien qu'à les voir, vous pouvez déjà donner leur nom. Mais Natou, elle, ne voit... Tu triches pas, hein ? Non, je ne triche pas. Ouais, d'accord, on verra. Alors, on va commencer par le premier. Tiens, je te donne la fourchette, voilà. Il faut enlever le masque, hein ? D'accord, je le décale. Voilà. Wow. Oui. Alors, on commence, et d'ailleurs chez vous, quand vous mangez du fromage, commencez toujours par le fromage qui est le plus doux, bien ça, c'est sûr. Le plus doux ? Oui, c'est le plus doux. C'est du lourd, hein ? Oh, ça va, c'est doux ça quand même. C'est un bon camembert, ça. Non, raté. Ah non ? Non, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Mais attends, il y avait une pâte autour. Alors, tu as raison, c'est une pâte, c'est ce qu'on appelle une pâte molle. Le camembert, c'est aussi une pâte molle. Une pâte molle ? Ouais. C'est un fromage, qu'on peut déguster cru, mais qu'on mange aussi cuit, qui vient du Jura. Généralement, il est toujours dans une boîte en bois, ce qui permet de le faire fondre au four. Oh non. Du caprice des dieux. Oh, arrête tout de suite. Tu te calmes. Mon Dieu. Non, c'est du Mont d'Or. Ah oui, d'accord. Tu sais le fameux Mont d'Or. Tu sais ? Oui, après, oui. Après, je vous expliquerai comment on peut le cuisiner à la maison. Alors, attention ! Fromage numéro 2. Ok. Voici la fourchette. Pour le moment, c'est un échec, hein ? Pour le moment, c'est ouais. Mais c'est des sacrés morceaux à chaque fois, non ? Oui, écoute, vas-y, hein. T'as dit que t'aimais le fromage, alors tu manges, hein. Voilà. Ah, c'est du gouda ? Non, attends, avant de dire n'importe quoi, réfléchis, ma chérie. Non, parce que là, tu te tapes la honte devant des millions. Mais non, mais je suis nulle ! Mais non. Alors, écoute-moi, c'est un fromage... au milieu de ce fromage, il y a une ligne. Oh, mais je vois très bien ce que c'est, mais je connais pas le nom. Mmh, une ligne... Ah, pff, mince. Et une ligne noire, en fait. Les gens, oui, ça vient encore du Jura. Ça commence par un M. Oui, ça commence par un M. Du monde. Tu l'as déjà goûté. Stop it. Du Morbier. Du Morbier. Voilà, le Morbier. Et puis, cette ligne que vous avez au milieu, comme ça, en fait, hein, c'est de la cendre, de la suie, OK ? OK. Parce que ce fromage, en fait, figure-toi qu'il était fait avec des restes de lait caillé, OK ? Et comme il n'en restait pas assez, quelquefois, pour faire un fromage complet, pour protéger cette première couche, il prenait de la suie du chaudron, il la mettait par-dessus, et le lendemain, avec l'excédent de lait qui leur restait, enfin de l'écaillé, eh ben, il mettait la deuxième couche, d'où cette ligne au milieu. Très bien. Ok, alors attention, last but not least, oh celui-là là devrait là. T'emporter. Allez. S'il t'emporte pas au septième ciel, celui-là, il fouette. Celui-là, ma parole, tu vas pas regretter. Non, ne le sens pas, sinon tu vas pas oser le manger. Natou, en tout cas, tout le monde te soutient dans les commentaires. Allez, prends la tête. Oh non. Oui, il est un peu fort, c'est vrai. Il vient d'un très bon fromager, hein, qui est très bon. On dirait un camembert qui a 150 ans. C'est ça, bravo. Oh.
Un camembert, un tout, bravo. Mais il n'a pas 150 ans, hein, si tu veux. Il n'est pas fossilisé, ni rien du tout. Mais c'est juste qu'il y a des camemberts qui sont plus ou moins forts. Voilà. Ça me pique les yeux. Tu veux un peu d'eau? Ou dis donc, t'as, même avec le masque, je sens ton haleine d'ici là. C'est l'enfer. Ça rebondit sur la paroi pour me revenir au nez. Tu es en train de t'intoxiquer, là. Ah, ouais. C'est un cauchemar. Ah ouais, là, ça fouette. Faut pas que je rigole dans mon masque. Attends, attends, je te donne un petit peu d'eau pour que tu récupères. Ah, voilà, hop. Tiens, petit verre, petite bouteille, vas-y. Excellent. Allez. Merci. Remets-toi de tes émotions. Bon, écoute, tout le monde te félicite dans les commentaires, Natou. T'as été super courageuse de tester une telle, de te lancer dans une telle dégustation. Bravo. Bravo, bravo. Non, mais c'est délicieux, hein, mais c'est fort. Alors, maintenant, hop, il est temps, Natou, de passer à notre dessert. Et le dessert, voici les ingrédients qui le composent. Ouh. On va le faire dans mon cookie-o à moi? On va le faire dans ton cookie-o à toi. Et comme tu as vu comment je cherchais une recette et que je la trouvais facilement dans le cookie-o noir qui était de mon côté, je vais te demander de mettre ton cookie-o. Tu ne touches pas à mon cookie-o. Non, je ne touche pas à ton cookie-o. C'est ton cookie-o à toi. Alors, alors pour ici, le petit bouton blanc. Ah ben, je te montre, tu me demandes. C'est mon bébé à moi. Ne tape pas le chef, ne l'abîme pas. Alors. Voilà. Bon, pour les filles qui nous suivent à distance, c'est sûr qu'elles ne vont pas réussir à faire et la tartiflette et l'ananas. Ce qu'on vous propose, si ça ne vous embête pas, vous le ferez du coup juste après la tartiflette de votre côté. Ah oui, c'est vrai du coup, nous, c'était pour qu'on puisse montrer les deux et le nouveau cookie-o de Natou. Mais vous, si c'est OK, vous le ferez juste après. D'accord. Désert et tu tapes ananas gourmand. Ça marche. Super, merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Super. Ah. Chef, oui. J'arrive pas à taper sur mes petites touches. Ah, pardon. Tu as des doigts, tu sais, vas-y, n'hésite pas, hein. Voilà. J'appuyais trop doucement, je suis trop délicate. Elle se passe. Et on veut qu'il soit gourmand. Alors. Gourmand. Serait-ce une recette de Cyril Lignac? Gourmand. Voilà. Okay. Et je mets tu OK. Fais OK. Très bien. Voilà. Bon, en attendant, je vais prendre. Là. Ça y est, tu l'as trouvé? Oui. OK, c'est cool. 5 minutes. Ah oui, ça, au niveau cuisson, ça va très, très vite. Ah, c'est fou. Alors, tu vois, si, voilà. Très bien. Je vais défiler l'écran comme ça. Et tu peux nous donner les ingrédients dont on a besoin. Bien sûr, chef. Bien sûr. Alors, vas-y, n'hésite pas à nous écouter. Donc, 4 personnes. Hein. Pour 4 personnes. Mais je sais qu'il faudrait que ce soit pour 12, mais c'est pour 4. 600 grammes d'ananas coupé en quartier d'un centimètre d'épaisseur. Nous allons faire. Un citron vert, 1 centilitre de rhum, 50 g de cassonade et une gousse de vanille coupée en deux et grattée. Voilà, alors là, on a un petit peu de menthe aussi, ce sera pour notre déco. Sais-tu comment on découpe un ananas? Non. Non? Eh bien, souhaites-tu que je te montre comment l'on découpe un ananas, Natou? Eh bien, je vais te montrer. Alors d'abord, et comme vous l'avez dit Cyril précédemment, il avait bien raison, on utilise un couteau à dents. Pourquoi? Parce que il y a certains fruits, surtout, qui vont créer une espèce d'oxydation sur les lames des couteaux. Et du coup, vos couteaux, ils vont moins bien couper. D'accord? Moi, ce que je trouve très pratique, c'est les couteaux à dents comme ça, style couteau à pain. Ça fonctionne très, très bien. OK? Donc, je commence à te montrer ici l'ananas qu'on a. C'est un très, très bon ananas. C'est le top de l'ananas. Ça s'appelle l'ananas Victoria. D'accord? Aussi appelé l'ananas Queen. Tu fais le rapport Victoria, Queen. Voilà, parce que c'était bien sûr l'un des fruits favoris de la reine Victoria. Et donc, elle le fait appeler par son nom, quoi. Non, elle ne l'a pas la fait appeler par pèse. Son nom. C'est les gens qui l'ont appelé comme ça, parce que du coup, tu vois, déjà à l'époque, le marketing était là, quoi, finalement. Alors, on découpe d'abord le haut de l'ananas. Et comment c'est pour choisir? Parce que moi aussi, j'ai du mal à choisir mes fruits. Eh bien, alors, je peux te dire comment on choisit un ananas pour avoir un bon ananas. D'abord, en gros, il y a 6 variétés d'ananas que vous pouvez trouver. Hein. Les trucs et astuces pour choisir un bon ananas, pour n'importe quel type d'ananas, c'est un peu les mêmes, tu vois, Natou. Alors, d'abord, il faut que ton ananas, tu le sous-pèses, il faut qu'il soit lourd, quand même. Tu vois, alors là, il est petit, mais tu vois qu'il a quand même un certain poids. Il a un certain poids, tu il vois pèse. Voilà. Ensuite, quand tu le sens, il faut qu'il soit parfumé. Pourquoi? Parce que, figure-toi, l'ananas, il va développer son parfum dans les 15 derniers jours de sa maturation. Donc, si tu as un ananas qui est parfumé, eh ben, tu sais qu'il est donc dans ses 15 derniers jours de maturation et que donc il est plutôt du côté mûr que du côté vert. D'accord? Donc, pour ce faire, on le sent comme ça à travers. Et là, si tu le sens, tu verras que déjà, même à travers la peau, on sent quand même une bonne odeur d'ananas. En effet. Tu vois?
Et puis, last but not least, hop, ici, là, les petites feuilles qui sont ici. Il faut les croquer ? Non, tu ne les croques pas. Enfin, si tu veux les croquer, tu peux. C'est pas terrible, hein. Non, je te... Voilà. Mais ce que tu peux faire, tu vois, tu vas ici, là, et tu tires une feuille. Et si cette feuille, elle vient facilement, ah, okay. Ça veut dire que ton ananas, eh ben, il est plutôt mûr. Ah, ça, je connais. C'est absolument pas cette technique. Vas-y, essaye. Prends une petite feuille, là. Ah. Alors, pas une énorme, puis prends la plus vers là-bas. Tu vois celle-là ? Oui, ça pique un peu, celui-là. Ah, la douillette ! Ah, tu sais, c'est dangereux, hein, la cuisine. Hein. Vas-y, tire. Ah. Tu vois ? Ok. Donc, il a fallu que tu l'arraches quand même, mais c'était pas... T'as pu le faire relativement facilement. Oui. Donc, c'est plutôt bon signe. Ok. Et alors, chers amis, une chose que j'entends très souvent quand les gens veulent choisir un ananas, hein, et du côté de plaisir et de Missilac aussi, ça peut vous intéresser, souvent, j'entends des gens dire « Ah non, je prends pas celui-là. » Regarde, regarde. Oh ! Oui. C'est magnifique. C'est magnifique, ça veut dire que tu vois, on a la cuisson, elle est terminée pour notre tartiflute, comme incroyable. Tu veux que je l'appelle. Je te débarrasse de cette feuille. C'est surprenant. Donc, on peut se faire un soin à la vapeur. Oui, alors à la maison, à la maison, vous en êtes où ? Ça y est, il a. Ça y est. Vous êtes arrivé à la fin de la cuisson aussi ? La vapeur est en train de s'échapper ? On va en faire exactement ça. Ah non, mais. Non, pas ça. Ah, pas encore, mais presque. Combien de temps il te reste, Aurélie ? Bah, 4 minutes. 4 minutes ? Ouais, enfin, ça va vite passer, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ok, oui. on est assez synchro quand même, c'est bien. Oui. Bon, très bien. Alors, ce que j'étais en train de vous dire et te dire, Natou, c'est que j'entends souvent des gens qui disent « Ah non, celui-là, je ne le prends pas parce qu'il est trop vert. Mm-hmm. » Tu vois, de l'extérieur, tu vois, ton ananas, il est vert. Attention, si un ananas est vert... ça veut pas forcément dire qu'il n'est pas mûr, ok ? Donc ça, c'est pas un bon indice pour savoir si votre ananas va être bon ou pas. Allez, maintenant on passe à la découpe, ok ? Alors, comment on découpe ? Alors, tu vois, j'ai coupé le plumet, je vais couper le bas de l'ananas aussi, toujours dans l'idée de le stabiliser, ok ? Pour pas avoir un truc qui bouge dans tous les sens. Ça, je vais le pousser ici, voilà. Alors, ensuite, avec mon couteau, tu vois, je coupe et je suis la forme de l'ananas. Ah oui, donc moi, à chaque fois, je coupe une rondelle et je découpe après. Alors, c'est fastidieux. Tu peux le faire comme ça, mais avoue que c'est plus long quand même, tu vois. Et alors, tu vois, ici, il y a des choses qu'on appelle des yeux. Et bien après, avec un petit couteau, on peut les enlever. Okay. D'accord ? Donc, c'est hop, hop et hop. OK ? OK. Ça marche ? Allez, à ton tour. Je jette ça. Alors tiens, un truc sympa. Regardez, vous trouverez des vidéos. Moi, je le fais assez souvent. Ça, le plumet d'ananas, c'est très facile de le faire pousser à la maison. Alors malheureusement, on n'est pas dans un climat exotique, enfin du moins assez exotique, pour que cet ananas vous donne un fruit qui grossisse vraiment et qui soit vraiment très comestible. Mais vous allez voir, c'est très facile à la maison de faire pousser cet ananas-là. Regardez des petits tutos sur le net et tout, vous allez voir, c'est simple comme bonjour et ça marche très très bien. Tu vois, comme ça, on perd vraiment. Alors là, me laisse pas trop Dieu, tu vois. Tu peux couper un petit peu plus. OK. Ouais. Mais c'est bien, parce que tu as essayé de perdre le moins. Mais ouais, oui. Tu vois ? Faut pas gâcher. Voilà. Mais c'est très bien, parce que tu as essayé de perdre le moins possible. Et ça, c'est top. Alors, hop. On va faire ça. Natou, on me demande quel est ton dessert préféré. Non, mais il y a trop de desserts. C'est compliqué. J'arrive bien à faire les pavlova. OK. Ah ouais. Carrément. Bon, ça. Chouette. Oui. Tu les fais à quoi ? En fait, c'est assez spectaculaire, mais c'est simple à faire. Ok. Des coulis de mangue. Non, de fruits rouges, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Et tu mets des fruits aussi par-dessus, aussi, des fruits entiers ? Oui. C'est bon, hein ? Ah, c'est trop bon. Ouais, c'est super bon. Ça, je suis d'accord. Et ça fait vraiment comme un dessert de restaurant. Mais c'est facile à faire, en vrai. Ah oui. C'est un dessert que vraiment quand tu l'apportes à table, ça a de la gueule. Hein. Ouais. Et tu sais pourquoi ça s'appelle pavlova ? Alors. On est reparti sur l'anecdote. Attention, chef, elle est là. Mais en fait, c'est un dessert qui a été créé en hommage à une danseuse, Anna Pavlova, qui était non seulement une très bonne danseuse, mais aussi très belle. Et alors, on ne sait pas où exactement, si on faisait l'ordre en Australie, enfin, peu importe. Elle est descendue un jour dans un hôtel. C'est un peu romancé. On ne sait pas si c'est encore un coup marketing de l'hôtel ou alors si vraiment l'histoire est vraie, c'est-à-dire que le chef en était amoureux et qu'il a fait ce dessert pour lui rendre hommage. À la base, le pavlova, tu vois, ça a une forme un petit peu bombée comme ça, tu vois. Et pourquoi ça a cette forme bombée ? Parce que c'est pour rappeler le tutu de la danseuse classique qu'elle était,
Elle est mignonne, hein, cette histoire, très quand mignon. Même. Et c'est vrai, hein, ça a été créé pour ça. Alors, hop. Là, on est presque bon. Enfin, là, on va encore un petit peu enlever. Fred, on me demande si on peut utiliser les peaux d'ananas pour faire autre chose. Ou est-ce qu'il peut non, franchement, garder, la peau d'ananas, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Désolée. Okay, et même, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est éminemment compostable parce que dans l'ananas, il y a des enzymes. Mmh. Et je me demande si les enzymes ne tuent pas les autres bactéries qui transforment tous tes déchets en compost. D'accord. Donc non, malheureusement, okay. On fait toujours le maximum ici pour toujours tout utiliser, tout récupérer, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Ça marche, pas de souci. Voilà, très bien. Hop. Et regarde, je vais me mettre de ce côté-là, tu peux okay. te remettre là. Regarde la tartiflute. Sens la tartiflute. Oh là là. Magnifique, non? Oh, j'ai faim d'un coup. Et maintenant, je t'invite, pendant que je termine l'ananas, si tu veux bien, à disposer les morceaux de reblochon oui. par-dessus. Et on va fermer. Et on va maintenir au chaud. Et rien qu'avec le maintien au chaud, on a le reblochon qui va fondre. Avec ça te va ? Plaisir. Allez, vas-y. Et là, du coup, tu pourras nous remettre un coup de poivre. Parce qu'avec le maintien au chaud, on ne va pas aller à des températures. Par-dessus le fromage ? Ouais, ou... même. Tu peux le mettre maintenant. Ouais. Un coup maintenant, il y a un coup par-dessus. Tiens, je ne vais pas m'en priver. Parce que là, c'est juste du maintien au chaud. Okay. Donc ça va diffuser les arômes du poivre et ça ne va pas les tuer, les éliminer. Quoi. Oh là là. Bien, du coup, pendant que Fred finit la découpe de l'ananas et que Natou s'occupe du reblochon dans Cookéo, moi, je vais vous poser une question. Une question qui peut vous faire remporter un Cookéo Touch Wi-Fi, si vous aussi, vous voulez qu'il cuisine aussi facilement et simplement à la maison. Pour jouer, c'est très simple. Je vous pose une question et vous répondez dans les commentaires. La question d'aujourd'hui est donc, dites-nous par quel ingrédient nous avons donc remplacé les traditionnels lardons dans notre tartiflette. Facile. Facile, on l'a dit. Si vous nous avez suivis, vous avez clairement la réponse. Donc, dites-nous en commentaire quel est cet ingrédient. Nous ferons le tirage au sort demain, juste avant le live de 11h30, afin de tirer au sort parmi les commentaires, parmi les bonnes réponses. Et nous annoncerons à nouveau le nom du gagnant demain à partir d'11h30. Donc, soyez avec nous. Bonne chance, c'est parti, à vous de jouer. Est-ce que tu t'en sors, Natou ? Je m'en sors très très bien, comme oh une là chef aujourd'hui. Mais dire. Comme une chef, tout à fait. Chef oh, Natou pour vous servir. Bah désolé, je vais ouvrir mon restaurant. Toi aussi tu veux une toque? J'aimerais bien. Et alors dis-moi Natou, moi j'avais une question à te poser. Tu sais, je suis pas très réseaux sociaux, tout ça, machin. Ouais. Mais en fait, je suis très curieux de savoir comment a commencé ton aventure en fait. À oh, toi. Bah il y a assez longtemps. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos maintenant. 10 ans. Ouais, tout à fait. Mais t'as commencé avec quoi par exemple comme type de vidéo ou... Des vidéos humoristiques hein, dès le début. C'était la blague. Ouais, ouais. Mais oui, il y a 10 ans, c'est-à-dire il y avait beaucoup moins de YouTubeurs et. Et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, quoi. Il y avait ouais. moins de pression. Donc j'ai eu la chance de commencer dans des conditions très relaxes. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que tu n'es pas du tout dans les réseaux sociaux. Tu n'as même pas de compte Instagram. Non, je suis nulle. Tu es si pure. Ouais, ouais, tu parles. J'allais t'en parler, tiens, de ma pureté. Elle est sur les réseaux sociaux seulement, alors. Non, mais d'accord. Mais alors, et après, petit à petit, c'est quoi? C'est le cercle Natou a gonflé. Comment est-ce que tu t'es fait connaître? Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier qui t'a fait connaître ou quoi? Ah, okay. C'est peut-être la vidéo des gens sales. Ah, c'est sympa. Allez la voir hein, si vous ne connaissez pas. Mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup plu à l'époque. Et puis après, j'avais intégré un collectif de comédiens, youtubeurs, vidéastes. Ouais. Ça s'appelait le Studio Bagel. Et à partir de là, c'est vrai que... Bah, ça a bien décollé. Sacrée attention, en effet. Oh, ok. Un plan dans le Cookéo, s'il vous plaît, immédiatement. Immédiatement, regardez. Non, mais tu sais que moi, j'en demande des plans comme ça, je ne les ai jamais. Toi, tu les demandes et 2 secondes après, tu les as. C'est incroyable. Vous demandez que le sourire. Mais un souris. Peu sec, mais que le sourire. Je souris. Ah, mais c'est merveilleux. Donc bon, là, je te débarrasse de ça. Tu refermes et comme ça, ça va nous faire le maintien au chaud. Ça marche? Oui. Ok, c'est cool. Claque. On va se garder hop, une cuillère pour le service tout à l'heure. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas de truc à appuyer. Tu vois, maintien au chaud tout seul. Ah, tout seul, ça se lance. C'est-à-dire qu'une fois que ta cuisson est terminée, peu importe la cuisson que tu as fait d'ailleurs, eh bien, il y a un maintien au chaud automatique qui se fait dans le Cookéo. Mmh. Ce maintien au chaud, bah, comme son nom l'indique, il va juste garder à la bonne température ton plat pour sa dégustation, mais il ne va pas surcuire tes ingrédients, tu vois. Des fois, tu dis, je garde chaud dans la casserole, mais ça chauffe tellement que finalement, tu surcuis ou ça accroche au fond, des trucs comme ça. Bah, avec le Cookéo, c'est impossible. Okay. Qu'est-ce que t'en penses alors de cette machine?
Mais je suis amoureuse de cet appareil. Ça a l'air fou en vrai. 5 minutes pour faire un plat. Hop, c'est alors dingue. À la maison, vous en êtes où, les filles? Ah, eh ben ça transvase avec la tiflette. Oh là là! Alors Anne-Sophie et Stéphanie, ça donne quoi? Ah, vous transvasez, d'accord. Oh là là! Alors vous, ce que vous allez faire. Ouais, parce qu'il faut qu'elle fasse l'ananas. Vous transvasez ça dans le bravo, dans un plat à gratin. Et est-ce que vous allez nous faire gratiner ça, vous? Vous voulez le faire gratiner? Parce que le reblochon, il y a plusieurs solutions. Hein. Nous, là, on le fait fondre gentiment dans le maintien au chaud. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre ça dans un plat. Vous mettez votre reblochon dessus. Vous attendez même qu'il soit un peu fondu dans le cookéo. Et après, sous le grill pendant 3-4 minutes et ça gratine. Ça dépend des goûts. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire, Anne-Sophie et Stéphanie, vous? On va le faire gratiner un petit peu, donc on a déjà mis le reblochon dans le cookéo et on va gratiner. Ah voilà, donc vous avez commencé à le faire fondre dans le cookéo et maintenant vous allez le gratiner. Ben, je dis belle ou chichou, ça marche ça. Joli. Et Aurélie et Juju alors? Le choix c'est quoi? Vous voulez faire quoi? Alors nous on est des grandes fans de fromage. Oh non! On va gratin et on va remettre du reblochon pour regratiner. Oh. Ah ouais, donc c'est double ration de reblochon, quoi, c'est ça? Ça c'est rigole très, pas. C'est très léger, hein? Et alors, avec, pour l'accompagnement, qu'est-ce que tu sers? Du reblochon? Non, de la salade quand même. Ah, la salade quand même. Une d'accord, feuille, okay. Symbolique. Et nous, on revient à notre ananas, d'accord? Oui. Pendant que ça, c'est au chaud. Je te laisse repasser par ici. Tu as vu, c'est twist. Oh là là, j'adore. Alors à la maison, hein, si vous voulez, maintenant vous pouvez laver vos cuves, d'accord? Les cuves des cookéo. Et puis comme ça, hop, on peut se lancer dans l'ananas. Comme ça, on est pratiquement arrivé au même moment. Je suis sûr que vous, votre ananas est déjà prêt. Alors tu vois, il y a un cœur comme ça. Mm-hmm. Tu vois, il y a un petit tronc comme ça au milieu. Alors ce tronc, franchement, dans l'ananas Victoria, regarde, c'est bien simple, je vais te le faire goûter. Voilà. Dans les autres ananas, moi je vous conseille de le couper, de l'enlever. Vous n'êtes pas obligé de le jeter, hein? Soit vous le gardez, c'est très fibreux et c'est dur. Soit vous passez ça au blender avec un coup de jus d'orange ou je ne sais quoi et puis vous faites un smoothie, par exemple. Soit vous coupez votre tronc d'ananas, il n'est pas trop dur, en petits morceaux. Mm-hmm. Vous le faites cuire un petit peu. Et puis, si certains étaient parmi nous lors de la recette de l'omelette soufflée, hein, on avait mis des framboises dedans, ben, qu'est-ce qui vous empêche de mettre hop, ces morceaux d'ananas à l'intérieur? Okay. Tiens, regarde, goûte. Enfin, regarde. Je les regarde. Regarde, regarde et goûte. Non, pour vrai que ça a du goût, quoi, c'est bon. Ah oui, c'est très bien. Tu vois? Mmh. Et est-ce que tu trouves ça si dur que ça? Tu sens que c'est... Non, pas du tout, franchement, ça va. Voilà, ouais, ouais. Tu vois, avec la nana Victoria, c'est ça l'avantage. Alors, comme j'ai dit, c'est pas un nana qui est donné, hein. C'est entre 5 et 7 euros la nana. C'est un nana royal. Oui, voilà, mais il est très, très bon. Voilà, ça, c'est l'avantage. Mmh. Alors, nous, ce qu'on va faire, puisque tu en es d'accord, on va le garder, ce truc au centre, d'accord? Je suis d'accord, on okay. décide de pas le perdre, très bien. Et je t'invite donc, tiens, là avec le petit couteau, ce sera non, avec ce couteau-là, mm-hmm. voilà. Je t'invite à nous faire des quartiers comme ça, des petites tranchettes. Okay. Voilà, très bien, vas-y. On va faire ça sur la totalité, très bien. Le geste est précis. Le geste est précis, mais en même temps délicat, c'est magnifique, Natou. Natou, on me demande si tu cuisines beaucoup chez toi. Tu parles. Pas vraiment. Mais en revanche, c'est vrai qu'avec le confinement, on a plus le temps de ouais. prendre soin de soi et, ouais. et surtout arrêter de se faire livrer tous les jours de la nourriture, quoi, par flemme. Tu as raison. Tiens, continue dans ta lancée. Hein, si ah oui, d'accord. Ouais. C'est l'avantage de pouvoir faire aussi des plats facilement, rapidement et fait maison. C'est vrai qu'avec Cookéo, c'est l'avantage. C'est vrai. Et puis, ouais. c'est le moment aussi, justement, de se mettre à cuisiner et de se rendre compte que bah, la cuisine... C'est pas si difficile que ça, d'ailleurs. Si un jour vous tentez quelque chose puis que c'est pas top, vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça. Hein. C'est pas bien grave. La prochaine fois, ça sera meilleur, c'est tout. Moi, c'est mon métier, je suis un professionnel. Quand j'imagine une recette, quelquefois, le résultat, je dis ouais, c'est bon, mais ça pourrait être mieux. Ben, je me décourage pas, je me dis ah ben, la prochaine fois, je changerai ci, je changerai ça et ce sera encore meilleur. Mmh. Et puis voilà, c'est vraiment très rare. Pardon. C'est vraiment très rare de réaliser quelque chose qui est totalement immangeable, quoi. Faut arrêter. Mmh, faut se faire confiance, quoi. Hein? Je suis sûr, moi, quand vous ouvrez votre réfrigérateur et que vous voyez plusieurs ingrédients, même toi, Natou, si j'ouvre un frigo devant toi et je te dis, allez, cuisine-moi quelque chose, choisis les ingrédients que tu veux, je suis sûr que les ingrédients que tu choisiras, ce sera des bons ingrédients, qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. OK, alors maintenant, tout est coupé, c'est parfait. Il ne nous reste plus que, hop, à mettre les ananas avec le sucre à l'intérieur. On y va. Très bien. Je tiens la planche et tu fais glisser. Ok, d'accord. Vas-y. Voilà. Oh ouais.
Voilà. Tiens, tu nous mets le sucre. D'accord. Et moi, je vais te nettoyer une cuillère en bois. Voilà. Oh. Et tu vas me remuer tout ça. Donc, on va mélanger de la tartiflette et de l'ananas dans notre ventre. C'est ça, exactement. C'est le choc des saveurs. Exactement. Tiens. Ça va voilà. Être bon. Et alors, on fait tout ça pour, bien sûr, faire caraméliser. Alors, bien sûr, tout ça, c'est en mode doré. Alors, de l'autre côté de l'écran, où en sont nos amis avec l'ananas? On est en train de mettre les ananas. Alors, d'abord, d'accord. Sophie, Stéphanie, dites-nous où vous en êtes. Hop, super. On est en train de faire dorer les ananas. Ok, ça marche. Super. Et toi, Aurélie et Justine? Pareil. Ok. Pauline, te laisse pas... Non, c'est Justine. Justine, te laisse pas exploiter par ta mère. Tu sais que tu peux lui faire un procès, si tu veux. Ne te laisse pas faire. Cligne des yeux. Fais-nous un signe. Fais-nous un signe. Fais-nous un signe, Justine. Mais non, elle aime bien. Mais c'est souvent qu'on voit les enfants qui aiment bien cuisiner dans Cookie O, parce que c'est vrai que c'est à leur c'est portée, un jeu en tout cas. Envie c'est de dire. Un jeu, exactement. Oh là là. Ouais, c'est chouette. Regarde, même Pauline, elle est appliquée comme tout. Comme toi, Natou. Pauline, elle plus remue. Que moi, même. Ouais. Voilà, tu peux les laisser tranquillou comme ça, okay, maintenant. Très y a bien. Pas de problème. La gousse. Ouais. Alors, la gousse de vanille, aussi, on l'a déjà vu, mais c'est pas un mal de recommencer ça. Surtout, tout toi, Natou, ah qui oui, me dit que tu ne sais pas comment ça se prépare. Alors, on a posé la question déjà à nos amis, mais je vais te la poser à toi. Natou, sais-tu quel type de plante produit les gousses de vanille? Un goussier. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est une plante que tu connais, qui fait des fleurs très, très belles, des fleurs exotiques, qui a chez tous les fleuristes. Évidemment, chez les fleuristes, ce n'est pas l'espèce qui va donner des gousses de vanille. Des grosses fleurs? Ouais, des grosses fleurs. De quelle couleur? Ah, de... Oh, ça peut être jaune, ça peut être blanc, ça peut être mauve, tacheté. Des orchidées? Ouh, mais non, I want to say... Le coude. Bravo. Oui, les orchidées. Les orchidées? C'est une orchidée, absolument. Mais où est-ce que ça pousse sur l'orchidée? Alors, en fait, il y a la fleur. Oui. Et puis après la fleur, il y a le fruit qui vient. Alors ça ressemble, quand c'est pas sec comme ça, à une espèce de haricot, si tu veux. Un gros haricot vert, voilà. Et puis ensuite, c'est pris, séché, et les saveurs se développent. Incroyable, hein. Alors, comment est-ce qu'on prépare une gousse de vanille? Alors d'abord, il faut l'aplatir. Oh. Ok. Mm-hmm. Parce que comme ça, c'est plus facile de la couper en deux dans le sens de la longueur. Alors, je vais te laisser la couper en deux dans le sens de la longueur. Très bien. N'hésite pas, avec bien la pointe du couteau. Ouais, voilà, ouais, appuie bien. C'est parfait. Écoute, moi, je vais te dire un truc. Tu dis que tu ne cuisines pas, mais moi, je te vois cuisiner depuis le début et je trouve que tu as des gestes très sûrs, tu fais les choses très bien. Il serait temps de t'y mettre au cours d'avant, tu vas te surprendre. C'est que je ne cuisine pas souvent. Ah, d'accord. Mais quand d'accord. je m'y mets, oui. Alors ensuite, tu vois, à l'intérieur, il y a les graines, d'accord? Donc, je vais le faire avec l'une. Je racle comme ça avec mon couteau et je récupère donc toutes les graines qui sont à l'intérieur. Et ça, on peut le mettre... C'est du caviar. Avec nos ananas. Oh, oui, on peut dire ça. Hein. Bah, oui, au prix où ça coûte, en plus, on peut. Hein. Ah oui, c'est cher, une gousse? Ah oui, une bonne gousse de vanille, c'est entre 4 et 6 euros. La gousse. Ah oui, ok. Donc, c'est cher. Tiens, je te laisse le faire pour la deuxième gousse. Enfin, la deuxième moitié. Là, on me demande en commentaire si tu pourrais embaucher Natou, du coup, pour t'assister en cuisine. Ben, est-ce qu'elle veut? Parce qu'elle elle travaille pas mal déjà. Oui, mais que avec le Cookie O. Pourquoi parce pas? Que c'est un petit peu triché, du coup, j'aime bien. Tiens, non. Attention, ah, okay. Hein. pas de choses métalliques comme ça, parce que tu d'accord. sais, tu te rappelles de ce que je t'ai dit, il y a un revêtement et tout sur les côtés, donc tu vas l'abîmer, mais c'est moi, dommage. Non, mais c'est pas grave, c'est parce que tu connais pas encore ça. Tu connais pas encore bien le couplet, c'est pas grave. Ok. Bon, et Natou, il y en a qui cherchent la petite bête. Après nous avoir donné ton dessert préféré, ils aimeraient connaître ton plat préféré, forcément. Alors, moi, j'aime beaucoup la cuisine polonaise, parce que ce sont mes origines. Mais alors, ce sont que des plats très, très riches, bien lourds, à base de pommes de terre, de choux, de gras. Le gras. Donc, ouais, il y a des raviolis polonais, ça s'appelle les pierogi. Voilà. Ouais, j'adore. Oh là là, c'est bon, ça. C'est bon. Mais c'est vraiment luisant de gras, quoi. Et attends, tu sais quoi, Natou? Une fois, j'en ai vu, tu vas me dire si tu en as déjà goûté. J'en ai vu, et je sais même qu'en Pologne, je vais me dire si c'est vrai ou pas, on peut mettre des fruits dedans aussi. Oui, t'en as on en dessert. On en met à la fraise oui. ou des trucs comme ça. Aux fruits rouges.
Et c'est super bon, quoi. C'est très, très bon, j'adore. Vous voyez comme c'est intéressant, finalement, de s'intéresser à la gastronomie des autres pays. Parce que finalement, on est d'accord que ce dont tu nous parles, là, tu peux nous répéter le nom du... Des pierogis. Voilà. C'est comme des espèces... Pardon, hein, c'est pour que les gens se fassent une idée. Oui, oui. Mais c'est une espèce de gros ravioli. Un très gros ravioli, ouais. C'est gros, quand même, ouais. Hein, comme une mezzaloula, là, machin. Bon, et ben vous voyez, dans d'autres pays, on le farcit avec des fruits. Et ça devient un dessert, et un dessert fort bon, puisque Natou nous le dit. Et moi-même, j'en ai goûté et j'ai été agréablement surpris. Donc, vous voyez, on peut se laisser aller, quoi, il n'y a pas de problème. Laissons-nous aller. Alors, ça donne quoi? Ça commence à être fort sympathique. Là, hein. C'est beau, hein. À la maison, de votre côté, alors, est-ce que vous avez des bonnes odeurs de caramel et d'ananas, surtout, qui commencent à se répandre dans votre cuisine? Ou est-ce que vous êtes submergé par le reblochon? Non, ça sent l'ananas. Ça sent l'ananas. Et chez Aurélie, ça sent l'ananas ou pas? Juju, ça sent quoi? L'ananas. Bon, très bien. Vous avez toutes mis la vanille à l'intérieur, ça y est, c'est bon. Et alors, non, je... Oui. D'accord, très bien. Stéphanie, je vois que tu as encore la tartiflette à côté de toi. Ne pas hésiter à la mettre au four, hein, du coup, Stéphanie, ta tartiflette. Oui, oui, on attend d'être le four préchaud. Ça marche. Super. Et de ton côté, Aurélie, tu l'as mise au four ou pas encore? Non, pas encore. Ok, vanille, ça marche. Du coup, de votre côté, c'est alors, bon? De notre côté, ouais. Bah, c'est parfait. Hein. Demande un truc, là, non que... c'est le... Ah oui, plan sur ananas, s'il vous plaît. Ça marche, mais c'est magique. Hein, et vous avez vu, hein, regardez, hein. On voit bien les petits grains de vanille dedans et tout, c'est top. Les fans de cuisine polonaise, pardon, je vous permets de te couper. Les fans de cuisine polonaise sont là et vraiment, ils te remercient d'en parler et ils valident tes propositions. Ah bah évidemment, c'est un classique. Alors Natou, qu'est-ce que tu ferais, toi, avec la cosse, finalement? Parce que tu sais, souvent, les gens, ils utilisent uniquement l'intérieur et je l'ai déjà dit, mais c'est important parce que c'est un produit presque de luxe, la vanille. Hein. Et en fait... 70% de l'arôme se trouve dans la gousse. J'en ferai une infusion. Pourquoi pas? Mais je te dis pourquoi pas. Alors, tu veux dire une infusion en mettant de l'eau chaude par-dessus, puis après en sucrant ça? Oui, ça peut être une bonne idée. Un peu amer, donc il va falloir quand même mettre un petit peu de sucre, mais ce sera bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, d'après toi, avec cette gousse de vanille? On peut faire des faux sourcils. Oui, alors évidemment. Oui. Oui, pour carnaval, alors. Ou des petites moustaches. Oui, voilà. Mais pour la réutiliser, sache que si tu as une bonne gousse de vanille et que tu la fais infuser, par exemple, tu te fais ton infusion, d'accord? Bah, cette infusion, vous pouvez la faire 3-4 fois avec la même gousse de vanille, d'accord? Parce que c'est très chargé en parfum. Donc, tu fais ton infusion dans ton lait, dans ce que tu veux, tu la sors, tu la rinces, tu la sèches. Et puis, on l'a dit aussi, mais c'est très important, pour bien conserver ces gousses de vanille, quand par exemple on a l'occasion d'en acheter plusieurs d'un coup parce que ben on a une promo ou un truc comme ça, est-ce que tu connais, Natou, le meilleur endroit pour conserver ces gousses de vanille? Non. Le congélateur, Natou. Ah bah, j'en sors. Voilà, okay. Exactement. Okay. Et on voit à quel point ça conserve bien. Bah, tu les rangeras à côté de moi. Oui, pas de problème. Pas de problème. Alors ici, je regarde où on en est. Oh là là, hé, viens, viens. Viens, je te laisse juste ouvrir pour avoir la surprise. Toi qui adores ça, tu vas voir. À mon avis, tu vas être contente. Oh, hein, t'as vu ça? Plan. Et qu'est... Voilà. Je te fais rien, j'ai juste plan. Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh là là. Pas mal, hein? C'est beau. Ça le fait, hein? C'est très, très beau. Alors, tu peux refermer. On va dresser ça, mais au moins, ça va tenir. Ça va rester au chaud. Ici, je vais terminer, hop, mon ananas. Je ne sais pas où vous en êtes... du côté de Plaisance et de Missilac, où on en est. De plaisir, pardon. Plaisance, n'importe quoi. Oh, ça va, les filles. Oh, ça va, oh, ça va. Hein. Plaisance, ça existe aussi. Hein. C'est vrai. D'accord, ça marche. Donc, ça veut dire que de votre côté, vous avez rajouté aussi le citron vert? Oui. Ok, et le rhum? Et surtout le rhum, oui, voilà, merci. Bienvenue aux alcooliques. Mais il faut se réchauffer, il fait froid. Alors, regarde, Natou, hop, on switch. Ok, encore une on fois. On switch. Et alors, je vais t'inviter à hop, verser le rhum à l'intérieur. Très bien. Comme ça, l'alcool va s'évaporer et il n'y aura plus que le bon goût du rhum, mais plus d'alcool, donc tout le monde peut le manger. Et un petit peu de citron. Alors, le citron, ma chère Natou, que faire quand on n'a pas de presse citron? Ben regarde, une simple fourchette, tu piques ton citron un peu de partout, comme ça. Après, tu vois, déjà, ça coule. Hop, tu le gardes au milieu, comme ça.
et tu... Okay. On va le faire de ce côté-là. Voilà, et tu presses et en même temps tu tournes. Vas-y. Okay. Oh là là. T'as vu ? Eh, ça marche bien. Oh là là. Vous voyez, si vous n'avez pas de presse citron à la maison, pas d'excuses. Voilà. Et en plus, avec la fourchette, on peut bien vraiment aller tout chercher. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. À la fin, vous pouvez prendre une petite râpe et puis zester quelques zestes de citron vert sur votre dessert. Oh là 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 là. La menthe, on va la garder. Ça commence à sentir très très bon. Ben oui. Et puis là, regarde la belle couleur que ça a pris. T'as vu qu'il y a une couleur caramel ? Non, c'est bon. Hein ? Demande à un. Il y a des bulles de caramel. Un plan sur les bulles. Plan bulle. Plan bulle. Faut mettre le citron en entier ou une moitié suffit ? Oh, moi je trouve qu'une moitié ça suffit. Ok. Après, c'est une question de goût. Là, on est bon. Hein. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? On va d'abord dresser notre dessert. Ok. Parce que je veux pas que le caramel il fonce trop. Parce que quand tu as un caramel qui commence à trop foncer, ça devient amer. D'accord. D'accord ? Et donc, il faut l'éteindre. Alors, on va l'éteindre. Je vais te transvaser ça. Je mets stop. Ça. Yes. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, je vais prendre ça. Hop. Tiens, je te le mets ici. Tu vas sortir la cuve du cookie aussi, tu veux bien, la pencher. Et puis moi, avec la cuillère, je vais... Hop, oh là là. Je vais... Ah oui, d'accord. Exact. T'as vu ? C'est pratique, hein, Natou. Facile, hein. Pratique de ouf. Et voilà, et tu mets ça là-dedans. Je mets tout, hein. Ouais, tu mets tout, bien sûr. Et Natou, la cuve, elle passe au lave-vaisselle également. Ah, ok. N'hésite pas, voilà. Oh, elle est si belle. Pas mal, hein ? Bah, c'est la tienne, forcément. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, on est bon. Qu'est-ce qu'il veut pas ? C'est tout bon ? Très bien. Il chante. Et maintenant, hop, on va prendre, bien sûr, le cuquéo chante. Le cuquéo chante. Eh ben, je t'invite à faire une petite présentation là, dans les assiettes. Ah, ok, alors ça c'est pas mon point fort. Écoute, tu sais quoi ? Voilà, c'est exactement la même chose quand je disais oui, les gens disent ah, je sais pas ceci. Je suis sûr que tu as beaucoup de goût, d'accord ? Donc, laisse-toi aller, laisse ton esprit vagabonder et essaye de nous faire quelque chose de sympa dans l'assiette, à ta façon. Vas-y, pour décorer, on a un petit peu de menthe. Oui, évidemment. Pardon. C'est une façon de voir les choses, oui. Oui, d'accord. Mais garde ton assiette, moi j'en ferai une. Ah oui, d'accord, tu veux bien, hein ? Voilà. Pourquoi ? Bah parce que j'ai le droit de me faire une assiette, non ? Je comprends pas. J'en mets un peu plus dans la mienne. Alors, où on en est au niveau présentation, dressage de votre côté ? Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Oh là là, je vois la Justine, elle a pris un... Ah oui, ça va faire une petite... Oh là là, oh là là, oui, du côté Attends, de plaisir. Je vais avec... chercher dans la poubelle le nôtre. Génial. C'est bien. Et vous avez même mis des gousses de vanille que vous avez mis par-dessus, c'est ça ? Je vois des trucs noirs qui sortent. Bravo, bravo, très très bonne idée. Wow, mais ça, regarde. C'est très joli. Olivier est en train de faire ses zestes. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est ton assiette, Natou ? C'est ton assiette ? Oui, c'est mon assiette. D'accord, d'accord. Voilà. Regarde, t'as même, il te reste un peu de citron. Peut-être que tu peux couper une tranche, une rondelle de citron, quelque chose, et que tu peux nous faire quelque chose de sympathique. Tiens, regarde avec le couteau à dents, tu vois, ah, c'est oui. mieux. En effet. Doucement, hein, parce que ça coupe fort. Voilà. Alors, tu vois, quand elle n'est pas super bien coupée comme ça, je te conseille de couper la moitié. Tu gardes que la moitié supérieure qui est jolie. Voilà, c'est bien. Ben, c'est simple, on est pas mal. Regardez ce que Natou a fait de son côté. Tiens, montre, sois fière de ton travail. Regardez la communauté. Attention, ça tombe. Oui, ça glisse. Voilà, on peut mettre ça de côté. Et puis, on va dresser maintenant... Celle-là. On va dresser maintenant, tout simplement, la tartiflette. Ah, ok. Ok. La Alors, on va enlever ça. Ça, on va le garder. Alors, regarde, on a des jolis contenants comme ça. Ça, on l'enlève. Ouais, on l'enlève. Je vais te l'enlever, va, t'inquiète. Oh, tu mais fais, chef, oh, merci, merci. Merci, tu es tellement elle efficace. Bosse, elle bosse, elle bosse, attention. Je vois, je vois. Tiens, quoi que je préfère quand même que ça soit en bois. Tiens, voilà. Alors, on ouvre le cookéo. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est quand même, c'est sympa. Waouh. Oh ouais, ça le fait. Bon, il n'y a pas de dressage particulier là. Mais si, essaye de faire quelque chose de sympa. Moi, je vais te rappeler. Je vois là-bas un peu de ciboulette. Ok. Je vais aller en prendre un petit peu. Très bien. Ok, et comme ça, on va pouvoir mettre un peu de vert là-dessus pour faire quelques touches de couleur. Très bien. Ça marche. Allez, je te laisse là et je vais nous chercher la ciboulette. Oh là là, oh là là. Plan sur filament. Oh. Oh là là, j'ai trop faim. J'ai fait exprès de ne pas prendre de petit déjeuner. Je crois que j'ai très bien fait, là. Je pense que tu as bien fait et j'ai fait la même chose que toi. Ça coule de partout.
C'est pas grave, c'est que c'est bon. Hein. Ah non, ah mais bah il y a oui, des fils de fromage, c'est incroyable. Pas grave, c'est bien ça. Bah oui, oui, non, mais c'est positif plutôt. Hein. Bah oui. Tiens, je vais passer un petit coup là-dessus, moi, en attendant. Bon, j'en mets plus. J'en mets plus. J'étais sûre que t'allais retourner. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on a des questions, Alison, de gens qui se Écoute, il y a des suggestions, je dirais plus que des questions. J'aime bien, oui, bien, sûr, j'aime bien quand on a des petites choses qui nous remontent comme ça. Une petite boule, est-ce qu'une petite boule de glace vanille ne viendrait pas sublimer également ce dessert? Sur la tartiflette. Oui, sur la tartiflette. Quelle belle idée. Quelle belle idée. Non, sur notre ananas gourmand, Fred. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Ouais. Très, très bonne idée. D'ailleurs, je pense que n'importe quel, même un sorbet, n'importe quel type de sorbet pourra aller. Il y a plein de choses qui se marient avec l'ananas. Hein. Tout à fait. Les fruits rouges se marient bien, le citron, ça peut se marier. Yes. La vanille aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a comme autre suggestion? Suggestion, je te promets que c'est écrit « Merci de ne pas oublier Alice ». Donc, j'arrive pour manger après. Ah, d'accord. Ah, non, mais c'était pour deux personnes et pas quatre. Ça, c'est Alison qui s'est envoyé un message à elle-même. Oui. Voilà ce que c'est. Non, en tout cas, Natou, tu as des bravos, en tout cas, d'avoir relevé ce challenge des recettes, alors que tu n'avais jamais cuisiné en cookéo, et vraiment, tu as les bravos de la communauté, comme tu dis. Oui. Et puis, bah, écoute, non, voilà. Moi, je vais mettre la lettre N comme Natou. Hop. Et bah, tu m'as dit de me laisser aller. Mais tu as raison. Voilà. J'aurais pas dû, mais bon. Est-ce qu'à la maison, du coup, vous avez votre petite tartiflette qui a grilloté au four? Ça va vite, ça, ça grille vite, hein, au grill. Vous nous montrez, hein. Attention de ne pas se brûler. Waouh, ouais. Wow, super. Ah ouais, c'est bien. Dernier. Aurélie, attention de ne pas te brûler. Joli. Ah ouais, bien aussi, hein. Superbe. Est-ce que ça vous fait envie? Personne dirait non. Aucune personne sans. Ah, Pauline est très enthousiaste. Et toi, Justine, t'aimes ça la tartiflette? Oui, beaucoup. Bon, bah, c'est chouette. Nous aussi, on va se régaler. Natou, est-ce qu'on est sur un dressage de professionnel? Oui. Ah oui, c'est... Oui. Ah oui. Là là. C'est quelque chose, hein. Non, sur mon plat. Ah, c'est un N. C'est hein. Le N de Natou. Ou un Z de Zorro. Mais non, c'est le N de Natou. N'hésitez pas à mettre vos initiales sur vos tartiflettes. Tu vas lancer un concept. Donc la tartiflette, maintenant, vous le savez, hein, n'hésitez pas. On peut twister. Grâce à Natou, vous savez qu'on peut changer... on peut changer les lardons et mettre des champignons, mais aussi mettre d'autres légumes si vous le souhaitez. Et on peut, si on veut encore plus la twister, changer le fromage. C'est vrai que traditionnellement, c'est le reblochon et que c'est excellent avec le reblochon. Mais il y a des tas d'autres fromages qui peuvent aller très bien avec la tartiflette et puis ça changera. Voilà. Ça, c'est, que voulez-vous, quand on a un plat comme ça aussi connu et aussi répandu et aimé que la tartiflette, on ne peut que s'attendre à ce que ces plats-là soient réinventés. Moi, je suis niçois, et ben, ma ratatouille, des fois, elle est réinventée. Mais des fois, je suis content de voir les réinventions. Je trouve ça très sympa. Et oui, voilà. Comme ça, on pourra même en manger tous les jours pendant l'hiver. C'est réconfortant. Exactement. C'est oui, c'est réconfortant. C'est la saison. Ouais. Super. Hop. Et bien, du coup, Anne-Sophie, Stéphanie, Pauline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Merci à vous. Hein. Merci à vous. Au revoir. Merci, vous avez été super. Bon, bon appétit surtout, parce qu'on est pile poil pour l'heure du déjeuner. Bon appétit. Bon appétit. Aurélie, Justine. Eh ben, merci à vous deux également de nous avoir accompagnés sur cette belle recette. Et Nat... Vous allez passer à table. Vous allez passer à table aussi, j'imagine. Oui. Ça y est, le déjeuner est prêt, là. C'est hein, clair. Effectivement. Eh bien, on passe tous à table. On vous souhaite un super bon appétit, Natou. C'était trop chouette de t'avoir. Ah, mais c'était trop cool. Merci, vraiment. Natou, merci d'avoir cuisiné avec nous. Un jeu d'enfant, vraiment. Et on espère que, du coup, tu cuisineras plus avec ton cookie-o, ton propre cookie-o. Oui, allez. Cette tartiflette est vraiment... Ah, très bien. Au revoir, Natou. Ah, elle repart dans son C'est terminé, je peux aller chez moi. Voilà. Je peux aller manger. Tu elle peux repart rentrer manger. Chez toi, tu peux y aller, vas-y. Merci allez. À tous de nous avoir suivis. C'était vraiment allez, un super moment ciao. Encore. Bye bye, bon app. Bye, allez, ciao. Allez, merci folle. À tous de nous avoir suivis. C'était vraiment super encore de passer ce moment avec vous. Salut à tous. Au revoir, et merci. Et puis nous, on se retrouve demain dès 11h30 pour le dernier live. Et oui, le dernier grand live. Avec nous, nous aurons Camille Maury. Elle a oublié son ananas, très bien. Nous aurons Camille Maury qui nous réalisera des recettes de brunch accompagnées de Julien French Naked Chef. Et nous aurons à nouveau deux personnes dans leur cuisine. Je serai encore une fois toujours là. Mais Fred, c'était la dernière fois également. Merci. Merci à
Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai passé de très bons moments avec vous. Et puis, cuisiner. C'est hyper important. Passez un très bon samedi. On se retrouve demain à 11h30. Hyper bonne journée à vous. Bonne app. Bye bye. Ciao. Ciao.